On a fait dans les leçons précédentes qu'on a fait des sessions de soutien, on a fait des leçons. Maintenant, on va faire une petite évaluation concernant les deux leçons. La leçon de le triangle rectangle et le cercle et la leçon concernant le vecteur de la translation. Et bien maintenant, je viens de vous donner un ensemble des exercices concernant ces deux leçons. Donc, avant de après, je viendrai vous donner la correction. Mais avant de voir la correction, il faut faire un travail individuel pour savoir quelles sont les difficultés que tu trouveras dans ces deux leçons. Donc, vous faisiez votre recherche et après, vous faisiez l'autocorrection. Donc, vous voyez, vous allez voir la correction et comparer la correction que vous avez avec votre recherche, et ainsi, c'est comme ça, on aboutit à des résultats très importants. Donc, on a contrôle continu numéro 1. L'exercice numéro 1, on a ABCD un rectangle de centre tel que ABD est 4 cm et BC est 3 cm. Construire une figure, pouvoir faire une figure, montrer que AC est égal à 5 cm. En déduire que cosinus ACD égale 0,8, la perpendiculaire à AC en haut coupe DC en 1, calculer c'est donc, dans cet exercice, on va concrétiser l'utilisation du cosinus dans la géométrie. Comment on calcule une longueur à travers le cosinus. Le deuxième exercice, on a baissé un triangle isosceles A, placer le point E symétrique du point B par rapport à A. Par rapport à A, construire la figure, montrer que le triangle BCE est un rectangle C, donc il faut bien réviser ou bien voir les propriétés d'un triangle convexe. On a un triangle rectangle. Après, on a dans l'exercice numéro 4, on est maintenant numéro 4, numéro 3, A, B, c'est un triangle, placer les points N, tel que AB égale CN, BN égale BA plus BC. Montrer que le point C est le milieu de Nn, le vecteur est le milieu. Donc, réduire l'expression BA plus Nn moins Cn, si il faut bien voir ce qu'on va utiliser pour réduire une expression qui contient une somme, une différence des vecteurs. Donc, on va voir, est-ce qu'il y a une propriété très importante qu'on utilise ici. Exercice 4, on a donné une figure. Voilà. Je m'excuse. On a donné une figure ici. On va enlever cette serrature pour ne pas avoir de difficultés. On a KEGF qui apparaît là et on a E le milieu de KH. Sachant que c'est un parallélogramme et E le milieu de KH, construire le point P, l'image du point E par la translation de vecteur F. Et on a, la dernière question, montré que H est l'image. Donc, l'image du point G par la translation qui transforme E en P. Donc, on va traiter exercice par exercice. Donc, le premier exercice consiste à abaisser un triangle à un rectangle. On a déjà un rectangle. On va prendre un rectangle. Donc, on a un rectangle. On va prendre le rectangle. Voilà, on a ABC un rectangle, tel qu'on a AC, AB égale 4 cm, AB égale 4 cm, et BC égale 3 cm. Donc, calculer, montrer que AC est égal à C. Pour montrer que AC est égal à C, premièrement, montrer que AC est égal à C. AC est égal à 5 cm, toujours en cm. Donc, voilà, AC. Puisque c'est un rectangle, donc AD égale BC, on considère le triangle ABC, le triangle ABC, ABC, rectangle en B. Car il faut le dire,
A, B, C, D est un rectangle. D'où, donc, c'est un rectangle, donc, c'est, on a un angle droit ici. Donc, d'après théorème de Pythagore, l'application du théorème de Pythagore, qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce qu'il nous donne? Pythagore, qu'est-ce qu'il nous donne? C'est le carré de l'hypoténuse AC au carré, AC au carré, égal à AB au carré, plus BC au carré. Donc AC au carré, donc AB au carré c'est 7, 4 au carré, plus BC au carré c'est 3 au carré. Il donne AC au carré, donc est égal à 25. Puisque AC est égal à 25, donc AC est égal à 5, car AC positif, AC positif. C'est une distance, parce qu'une AC au carré est égal à 25, il peut voir deux cas, ou bien AC est égal à 5, ou bien AC est égal à moins 5, donc AC est égal à 5. Deuxièmement, on déduit que cosinus de l'angle, donc AC est un cosinus de l'angle, c'est angle. On sait que cosinus de l'angle ACD, et donc c'est l'adjacent sur l'hypoténuse. Est égal à DC, c'est l'adjacent sur l'hypoténuse, c'est AC. On fait dans le triangle ACD rectangle en C, en D, on a le cosinus de l'angle ACD est égal à ADC sur AC. Donc, cosinus ACD égale DC, la distance DC est égale à 4 cm. Et la distance AC est égale à 5 cm, est égale à 0,8. On passe donc, on a dans la figure la perpendiculaire à AC, la perpendiculaire à AC, ici, la perpendiculaire à AC. On va faire avec la perpendiculaire à AC, on utilise ça, la perpendiculaire à AC. Donc, il donne comme ça, la perpendiculaire à AC. La perpendiculaire à AC, elle passe du coup à DC en F. Donc, calculer CF. Nous le faisons ici pour ne pas calculer CF. CF. On calcule CF. On calcule CF. On calcule CF. Donc, regarde. On a dans ce triangle, ce n'est pas bien maîtriser cette perpendicularité. On va le faire bien pour ne pas avoir de dégâts. Comme ça. Et comme ça. Voilà la perpendiculaire. La perpendiculaire, c'est le point F. Donc, dans le triangle, on a le triangle OOCF, rectangle en OO. Et on a OC est égal à AC sur 2, parce qu'au milieu de AC est égal à 5 sur 2, on a 5 sur 2,7. D'où
sait que on a déjà le cosinus de cet angle. Donc on va utiliser cette cosinus dans l'angle ACD. On a F appartient à DC, à segment DC, dans cosinus de ACD, ACD est égal à cosinus de ACF, ACF égal à cosinus égal à 0,8. Donc, cosinus ACD, cosinus AC, cosinus de O, on a cosinus OCF, cosinus OCF, qu'est-ce qu'il donne? Est égal à un côté adjacent. C'est le côté adjacent sur l'hypoténuse. C'est OC, OC sur CF. On remplace. Cosinus 15,8. OC, c'est 2,5. Divisible par CF. Donc, par la règle de croix qu'on a vu donc CF égale CF, donc CF égale à 2,5 divisé par 0,8, CF est égal à 25 sur, on fait la division, est égal à 25 divisé par 8, après la calculatrice est égal à 2, 3, 24, 1, c'est 2, c'est 1. C'est 1. 1, 1 fois 2, 4, 2, 16, 16, 4, est égal à 3,125 cm. Donc, ça est égal à 125 cm. Et comme ça, on est calculé pour les élèves voir comment la cosinus est très importante pour calculer les longueurs d'un triangle, lorsqu'on a un triangle rectangle. On passe au deuxième exercice, on a ABC un triangle isocèle, on a ABC un triangle isocèle en A, placez le point E tel que, on passe à une autre, on a déjà un triangle isocèle. Voilà, on a appris ces intérêts isocèles. Et on a soit E, le symétrique de B par rapport à le symétrique de B, ça donne ici E, le symétrique de B par rapport à. La question c'est de montrer que ce triangle est rectangle en C. On a A et le milieu. Dans le triangle est le milieu du segment BE. Donc E est le milieu du segment BE. D'où AB est égal à E. Et on sait que AB est égal à AC, car ABC isocèle en A. Donc, il nous donne AB est égal à AC, est égal à AE. Alors, A, B, C, E est rectangle en C. Donc, il sera rectangle en C, car on a, si un triangle, le milieu de l'un des six côtés est équidistant à ses sommets, alors ce triangle
elle est rectangle au sommet qui est opposé à celui-là. Alors, mes élèves, suite à la correction de notre contrôle continu, on va voir l'exercice numéro 3. L'exercice numéro 3 consiste en un exercice simple de les vecteurs et la fonte des vecteurs. Donc, on a ABC un triangle. Premièrement, c'est de placer, le point MN tel que AB, le vecteur AB, est égal à le vecteur CN. Le vecteur AB est égal à le vecteur CN. Et on sait, on a deux vecteurs qui sont égaux, ça veut dire que le quadrilatère optimiste hein, par là, les vecteurs. Donc, on a AB est égal à CN, donc on va, avec le compas, on construit par un gramme la distance AB et la distance AC. Donc, ici, on va continuer avec la distance AB. Donc, ici, distance AB est égal à. Donc, on va ça ici pour ne pas avoir de problème. Donc, AB est égal à CN. On commence. On a C. Donc, le vecteur AB est égal au vecteur CN, donc le quadrilatère d'un parallélogramme. Donc, automatiquement, avec les méthodes qu'on a dans cette donc, le quadrilatère est un parallélogramme. Ici, hein, est un parallélogramme. Donc, ici, regarde. Donc, ici, AB est égal à CN. Donc, AB est égal à CN signifie que le quadrilatère AB, l'autre des points, les deux points, les autres points, alors le quadrilatère AB et C est un parallélogramme. De plus, on a VN égale BN égale le vecteur BN est égal à le vecteur BA plus le vecteur BC. Donc, le vecteur BA plus le vecteur BC, BA plus BC, on sait que BA, le vecteur BA ici, ou le vecteur BA plus le vecteur BC. Donc, on va considérer aussi que le quadrilatère optimiste est un parallélogramme. Donc, c'est un parallélogramme. Il me donne ici comme ça. Je pense. Hein? Avec le. On a ici C. Parallélogramme. On recommence. C'est bien. Maintenant. C'est bien. Donc ici, le quadrilatère est un parallélogramme. Donc, le vecteur, c'est BM. C'est le vecteur BM. La question, c'est montrer, donc ici, quand le quadrilatère ANCB est un parallélogramme. C'est la définition de la somme de un vecteur est égal à la somme de deux vecteurs qui ont la même origine. Donc, ANCB est un parallélogramme. Parallélogramme. Donc, vous voyez que les vecteurs sont tout à fait liés au parallélogramme. La question, c'est montrer, on montre, premièrement, deuxièmement, on montre que montrer que c'est. Que C est le milieu, que C est montré, que C est le milieu du segment MN. Donc, pour montrer que le point C est le milieu du vecteur du segment MN, il faut montrer donc du vecteur
deux segments MM. Pour montrer que c'est le milieu de segment MM, il faut montrer que deux vecteurs sont égaux. On a le vecteur BA, est égal au vecteur, ou bien on peut dire que le vecteur AB est égal au vecteur AC, par hypothèse. Le vecteur AB est égal au vecteur CN, Et on a AN, par hypothèse ANCB, un parallélogramme. Donc, on obtient que le vecteur AB est égal au vecteur NC. La relation de vecteur NC, c'est la relation A. De 1 et 2, on a, qu'est-ce qu'on conclut de 1 et 2 ? On conclut, on a AB est égal à AB, donc CN, le vecteur CN est égal au vecteur NC. Le vecteur CN, on a AB est égal à NC, et AB est égal à CN. Donc on a CN, le vecteur CN est égal à NC, d'où regarde ces deux vecteurs, ils sont même direction, même sens, même direction, NC égale à CN. Donc ces deux vecteurs ont même sens, même angle, même direction, ils sont égaux. Donc c'est la définition du milieu. Donc c'est milieu de MN. On passe à donc la deuxième question, c'est de réduire l'écriture BA. Troisième question, réduire BA, le vecteur BA plus NN moins CN. Donc, on transforme le segment en plus, donc la soustraction en addition. Donc, on a BA est égal à BA plus NN plus NC. Égal à BA plus NN plus NC, c'est NC, on parle des relations de Charles. De Charles avec le point N. Et ainsi, on obtient. Cette expression est égale à BA plus NC. Qu'est-ce que c'est NC? NC, c'est égal à AB plus AB. En parenthèse, NC égale à AB. Il faut le déclarer. NC est égal à AB. Pourquoi NC est égal à AB? NC est égal à AB parce que le quadrilatère est un parallélogramme égal BA plus AB égal au vecteur nu sont deux vecteurs opposés. On passe à l'exercice numéro 4. On a KEGN est un parallélogramme. On a le milieu de KH. La question c'est construire le point P, l'image de E par la translation de vecteur FE. On a P, l'image,
l'image, l'image, telle image du point E, du point E par la translation, par la translation, translation de vecteur F. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le vecteur signifie que quoi? Signifie, c'est la définition de la translation signifie que le vecteur F est égal à le vecteur. Vecteur F est égal au vecteur E. Donc, on a le vecteur F est égal au vecteur E. Mais voilà F, voilà F, on trace F, voilà. Le vecteur F est égal au vecteur EP, voilà EP ici, je pense ici P, point P, P ici. Deuxièmement, montrer que H est l'image. H est l'image de montrer que H est l'image de G par la translation de vecteur par la translation de vecteur quel vecteur vecteur EP. Qu'est-ce qu'on va montrer? Donc on démontre que le vecteur EP est égal à vecteur GH. Il faut montrer, donc on montre que EP, le vecteur EP, est égal au vecteur GH. On a pour montrer que EP, on a le c'est un parallélogramme. FEHG est un parallélogramme. Donc, il faut montrer que ceci est un parallélogramme. Ceci est un parallélogramme. Il faut le montrer que ceci est un parallélogramme. Et qu'est-ce qu'on va montrer? On va montrer que le vecteur EP est égal à vecteur EG est égal à vecteur EG. Il y a plusieurs méthodes. On a un milieu de KH. Milieu de FP. Donc, on peut dire donc, le point est le quadrilatère FK, FK à PH, c'est un parallélogramme. Donc, FK, PH, un parallélogramme. Un parallélogramme, parallélogramme. Gramme. D'où on aura le vecteur KF. KF est égal au vecteur PH. PH. Vecteur KF est égal au vecteur PH. Et on a le vecteur KF. KF est égal au vecteur EG. D'où on aura EG. EG est égal. EG est égal à PH. Et ainsi, puisque EG est égal à PH, alors, E, P, H, G est un parallélogramme. T'as pas ra les le gramme. D'où on aura le vecteur EP est égal au vecteur GH. Et ainsi donc H est l'image. H est l'image de G par la translation. Donc H est l'image de G par la translation qu'il nous a demandé. Par la translation. Translation de vecteur. De vecteur.
Et ainsi, mes élèves, si vous voyez bien la dernière question, elle contient un peu des signes. Il faut bien voir la figure, les propriétés de parallélogramme, pour bien rassembler ces idées, et vous allez arriver à le point pour le point H de l'image de GEPA, la translation qui transforme en P. C'est ainsi, mes élèves, une dernière question, une dernière conseil, ce qu'il faut faire un travail individuel. Un travail de recherche individuelle dans ce contrôle, et après, vous voyez le code, la correction, et ainsi de suite. Si ainsi de suite, vous allez faire une auto-correction et vous allez aboutir à des bons résultats. Et merci.